Madame, monsieur, c'est un plaisir pour nous entrer à la CAO avec à la page. L'émission Écho des Arts. Nous allons découvrir une coquine chaîne au thé, je ne vous dis. Invitez-nous, c'est Pierre-Michel Chéri. Nous allons regarder ensemble l'ouvrage Lio ensemble avec lui. Mais avant de regarder l'ouvrage, on nous permet de découvrir au thé. Pierre-Michel Chéri, c'est un informaticien qui a écrit programme informatique pour entreprises dans le domaine gestion et comptabilité. Li gen yon maîtrise nan teknoloji enfòmasyon. Li gen yon diplòm nan estatistik, li gen yon lisans nan jesyon biznis, epi li etidye lingwistik tou. A kote aktivite profesyonel li, Pierre-Michel Chéri se yon militant kap defan lang kreyol, kil ti popilè pe payisyen yon, epi lap travay pou yo anseye disiplin siyantifik yo nan lang kreyol pou ayisyen ka komble lakil nyo genyen nan konesans siyantifik. Lise mam Reka, rezo kreolis ayisyen. Lise mam Akademi Kreyol Ayisyen AKA. À côté, tout article écrit sous qu'il dit peuple, 12 principes bois caïman, enseignement mathématique en créole, analyse sous roman créole, les publier une série de nouvelles dans journal Haïti en marche, mettre Bolo, cité Chelbet, qui côté soleil la fait, est-ce que dit c'est un bis. Les publier plusieurs romans. Héritier Vilocan 2001. Bébé Golgotha 2008-2013, Symphonie Nago 2012, Pèlerin 2015. Pierre-Michel Chéri, c'est un plaisir pour nous avoir ensemble avec nous sur le plateau à la page dans l'émission Écho des Arts. Comment ça y est? Oui, nous bien. C'est un plaisir pour moi tout. Pour nous ensemble avec nous pour nous parler littérature, pour nous parler art, dans le pays ça, j'aimerais le Aoula, dans le pays ça, pour nous parler de ce qui nous a intéressé nous. Dans le fond, intimité, non, même. Vous écrivez plusieurs livres, notamment Bébé Golgotha, que nous pouvons regarder ensemble avec vous. Héritier Vélocan, son autre coquin ouvrage que vous écrivez. Et vous écrivez tout Doguid Atisson. Nous pouvons regarder différents ouvrages ensemble avec vous, je vous dis. Mais juste avant que nous entrions, un écrivain, tant que Pierre-Michel Chéri, qui décide d'écrire en Haïti. C'est avec quel sentiment l'on regarde la littérature haïtienne aujourd'hui? Je dis. Et moi, j'ai un sentiment que les choses ont marché. Et elles ont marché par un sens. Et les gens qui ont écrit dans le pays ont fait l'argent. Mais elles ont marché parce qu'il y a plus de gens qui ont entré dans le domaine de la littérature. Il y a plus de gens qui ont écrit, il y a plus de poètes. Poètes, il y a 2 pour 5 qui ont écrit. Tout le monde dans l'école a écrit. Et ça, c'est incidence. Développement langue créole l'apprend le pays. Parce que je toujours dit, Mounio, si pour nous vendre 10 000 livres français dans le pays, ou l'autre langue, il faut nous vendre 100 000 livres créoles. Parce que c'est imaginaire, débloquer imaginaire Mounio dans le pays. Est-ce que ça, c'est en appartenance avec la langue maternelle là, qui pousse oui. Ça tout simplement? Ou sinon, encore, c'est pas vouloir que tout le monde ait accès avec l'écriture, avec littérature? Non, mais justement, c'est parce que la langue maternelle là, comment c'est important dans la société. Et comme la langue maternelle a une importance dans la société, nous rencontrer, littérature, rencontrer l'imaginaire Mounio. Moi, je depuis 10-15 ans, je suis gommé pour créer livre pour tout le monde. Même si je regrette dans la vie, c'est parce que je n'ai pas écrit pour tout le monde 5-6 ans. Moi, par contre, qui j'aime d'affaire, je n'ai pas écrit pour tout le monde. Oui, c'est pour tout le monde. Vous n'avez qu'à toucher la catégorie. Oui, cette catégorie, parce que c'est là et l'émotion a germé. C'est là et sens. Artistique, là, les faits artistes, là, j'aime. C'est là où là, et parce que c'est ma travail sur lui actuellement. Là, côté, vous négligez l'aspect ça trop dans la vie, nous, comme haïtiens. Côté, émotion, nous, émotion, nous, petit monde. Moi-même, j'aime tes petits mondes, j'ai émotion, j'ai émotion. Les map les tableau, les mots tendus en musique, j'ai émotion. Mais c'est qu'on y a map rendre compte, c'est pas moi seul qui a décrit l'émotion. Hein. Parce que nous sommes un critique littéraire qui garde un tableau, il dit ça, moi, je m'agrée, je m'agrée. Ouais. Et pourtant, donc c'est complet. Oui. Anivez Jean-Baptiste, qui c'est mon ami, monsieur, était quoi que il y a un attachement, il y a un lien entre auteur avec société, entre littérature avec société, son lien dialectique. Que j'ai arrivé à détailler tout ça dans le livre. Ou pas capable,
ou auteur haïtien dans contexte pour vivre là pour vivre comme si pays a pas d'exister. C'est impossible. Et c'est un coup pour un livre tant coup bébé Golgotha là on présente un personnage qui participe au pays a et qui trouvait loin camp. Oui, dans camp Bahamas, c'est une histoire après nous romancé mais histoire passée tout bon parce que ça qui t'a frappé dans l'histoire c'est les moun ça a tourné dans pays a et en 91 il va te connait si gon bagay qui dérive sida il va te connait si Jean Claude Duvalier aller il va te connait gon paquet bagay qui passé dans pays a pays a changé il va connait si ma coup de parler encore après les moun tourné dans pays a débarqué dans l'autre pays et puis connait là moun ça lui même l'a chercher qui j'ai pour lui réintégrer la société à travers ouvrage yo ou écrit en créole. Choix écrit en créole, c'est pour bailler j'arrête avec littérature créole là, c'est pour bailler j'arrête avec une langue créole là. Et l'un Doguide Atissou, ou poser problème langue là. Oui, le Doguide Atissou poser problème langue créole là, mais sous l'autre angle, parce que nous déjà dépassé. Et nous allons parler tout de zomification. Oui. Poser problème ça. Oui, tout. Justement. Sous l'autre angle, oui. Catégoriquement. Exactement. Parce que le Doguide Atissou, ça nous devait se montrer, c'est évolution langue, qui est une langue évoluée. Pour nous présenter le Doguide Atissou, nous avons traduit un texte en créole sur Dokoyo. Doko, la vie dans Doko, dans le pays. OK, qui Jean Marron yo t'a vivre dans Doko, OK? Puis il y a tout côté Doko. Doko son gout. Oui, Doko. Doko son c'est dans Baoriko. Côté et Cassique Henri t'a le caché en premier. Qu'on y a tout côté moun pral caché dans pays ayo le Doko. Dans pays gen Doko, OK, Miragouane. OK, gen Doko. La carte tout plateau central. Oui, plateau central c'est base Doko, OK? Mais tout côté de pays Jérémy gen Doko. OK? Mais l'aime traduire article là, l'aime li traduire fin mettre article en créole. Pour professeur Michel Hector, OK, mettez le créole, dit quête, ça t'a mérité un roman. Parce que ouais, tout le monde qui besoin retirer le corps, bas système esclavage, c'est dans Doko et le réfugié. Elle dit Doko, c'est espace liberté, c'est côté où on a construit le concept liberté. Et le coupé fâché, Doko, lui-même, dans le livre, ça va montrer qui Jean, une équipe haïtienne, et elle vit réfugié. Donc Doko, après une défaite militaire, reprend en face une équipe moun. Après on défaite militaire au prend il a vivre dans Doko et kounye là tant refait dans Doko l'anglais a changé dans mais l'anglais a changé dans mais kounye là langue qui va émerger c'est langue qui gagne plus touche africain qui va émerger dans Doko là c'est fait... diversification posée exactement qui gagne dans l'anglais là oui oui problème à dire que c'est une communauté qui isolée il évolue un gens côté c'est caractère africain l'anglais là qui paraît dans Doko. Ok, c'est ça que nous disons. Si vous avez besoin de lire Doguide Atissou, faut lire pour les pages là. Mais quand même, faut lire. Pour que ça lien ça entre la langue créole ou posée avec langue créole là et puis zombification. Ah mais oui bon, c'est pas ça. Zombification, c'est lui-même qui peut aller. Ça n'a c'est ça Doguide Atissou a oui, posé pour nous. C'est ça. Oui c'est ça. C'est pas l'enjeu à même. C'est ça qu'on a l'enjeu à. Un problème n'a posé dans Doguide Atissou parce que et nous avons une culture qui est riche. Vous comprenez? Mais les gens comprennent, ou qu'après une culture, ou prennent un bien, ou prennent tout bloc là, ou disent bon, ou prennent tout bloc là, ou disent mal. Non! Culture est qui dynamique. Culture est qui dynamique. Donc, c'est un véritable problème linguistique qu'on pose. Oui, justement. À travers Doguide Atissou. Oui, un problème linguistique, mais tout un problème et idéologique là-dedans. Un problème idéologique là-dedans, côté. Et les gens qui malfectent dans le pays, cachent derrière la culture pour continuer à faire mal. Pour faire mal. Pour faire mal. Et les zombifications, c'est une. Même les zombifications, stade suprême, esclavage là. Oui, justement, okay, c'est ça me d'abord. Ou fait partie d'écrivains, sinon de rares écrivains, qui est rare au monde tout, qui travaille dans les affaires culture ici, qui posait problème de zombification, qui essayait de garder pour eux, côté Mtakadi, malveillant. Oui, non, mais c'est violation avec une continuité même de l'esclavage. Oui, justement, voilà, parce que ça me relève les zombifications, c'est stade suprême esclavage là. Et quand là, il y a un discours qui pour faut accepter les zombies, il n'est pas acceptable. Discours pour accepter les zombifications, il n'est pas acceptable. Parce que zombification, c'est une réponse noire contre la liberté générale esclave là. Ok? Nous faisons la liberté générale esclave pour tout le monde libre. Et pourtant, aujourd'hui, c'est noir encore qui est esclave, parce que l'important tout pour nous connaître, c'est noir qui est esclave. Parce que gagner un auteur féminin, absolument talé, qui écrit un livre la danse de l'aube, la danse et sur le volcan, ok, qui écrit, qui posait problème
yo la porte c'est qui livré à cahier by anglais yo la porte sur ton oualtier les yo fait proclamation générale liberté esclave la porte dit ça l'a devenu lui-même ouais. Parce que la porte pour effort c'est ça peut-être travail monsieur justement parce que la porte pour ça le réaliser pour côté sortir pour arriver une propriété terrien pour gagner esclave pour travailler pour lui après qu'on est là tout rêve ça écrasé vous comprenez bon ça veut dire que la porte si la porte c'est monde que la porte qui a créé qui a développé le phénomène zombie en Haïti et monde que la porte qui a fait monde travail pour eux sans bagage statut quoi ça un livre tant que Odogi Datisou vraiment rentré. Oui. L'enquête qui a proposé deux gros problèmes majeurs. Problème langue. Garder problème langue et garder les affaires zombification. Oui, les affaires zombie, oui, parce que non. Mais est-ce que mon pas risque de dire diaboliser? Non, mon cher, mon pas dit m'a diabolisé. Mon personne pas dit m'a diabolisé parce que tout travail moi fait parce que j'ai deux droits encore qui m'écrit sur culture haïtienne, vous comprenez? Oui, malheureusement pas que joué un livre puis remé un livre pas mieux, vous comprenez? Ouais. Tout pour pied bébé Golgotha, mais livre moi puis remé, non, bébé Golgotha, c'est tout le monde. Oui, livre tout le monde, oui, mais livre pas non, c'est pour Inago. C'est pour Inago, tout livre c'est délicat. Marre fond dans la culture haïtienne. Okay? Mais pèlerin, pèlerin, son livre fait dans la galerie sur le rythme à Kaya. Vous comprenez? Avec dit que même culture haïtienne, c'est pas un bagage. Il faut gagner la capacité ça pour dire ce que pour dire. Parce que le rapport, c'est le rapport dialectique qu'on gagne avec la culture. Nous allons mettre en bout pratiquement l'ancien entrevue. Tout coûte ça. Oui. On peut parler rapide, vite de héritier Vilouquin. Oui, héritier Vilouquin. C'est histoire nous qui a fait nous la madèle. OK? Nous devons pas quitter pays là. Toujours grand époque pour monde pas parti quitter pays là. Et qu'on est là qui je dois reconstruire pays ça. C'est ça nous fait et héritier le comme fois ça nous fait là avec bail monde possibilité pour recréer un autre pays avec dans héritier le comme parce que les yo parti et même si ça me vive moi même personnellement les petit monde l'année 60 yo les tout professeur parti de l'école. Moi, je fais deux jours, trois jours, je suis un professeur dans la classe. Ouais. Je suis un professeur. Je suis un maître qui fait cours pour moi. Parce que je suis allé en Afrique. Oui, je suis allé en Afrique. Et après, c'est on l'est comme ça. Je mets un professeur après, il fait une semaine, deux semaines après, ou je suis un professeur. Nous posons des problèmes. D'un côté, nous prenons une méthode d'enseignement côté, monde qui apprend, mais l'autre monde qui construit le propre univers. C'est trois coquins chaînes livres. Dogide Atissou, que nous proposons tes spectateurs. Bébé Golgotha, une autre coquin chaîne livre. Et puis, Héritier Vilouquin. Là, Héritier Vilouquin, et nous parlons fini, mais juste avant que nous mettions bout vraiment, trois livres à côté de mon âme jeune. Gain là-dedans, Dogide Atissou, elle est dans la librairie. Il est dans la librairie. Il y a un pèlerin qui est dans la librairie. Aussi, mais il y a un autre livre encore, c'est Founi Nago, c'est le prestationnel qui vend, c'est là pour joindre. Mais de l'autre livre, c'est dans l'Académie Créole, dans le local Académie Créole, là, il y a un livre pour l'Ipsa, parce qu'il met là pour les gens qui ont besoin. Là, ils ont besoin. Et le vacances venir dans la librairie, ils passent dans l'Académie Créole, là, dans le local Académie Créole, là, il y a un livre. Pierre-Michel, chéri, c'est ton plaisir. C'est ton plaisir pour nous accueillir. Sous plateau à la page. Vraiment, yes. C'est un coquin chaîne plaisir. Vous plaisir était pour moi deux parce que moi j'aime parler littérature avec peuple haïtien, moi j'aime parler parce que dommage m'a été manier sur question à ou là. N'a faut l'autre émission encore. N'a parce que sensibilité moun yo l'important pour nous capable résoudre problème nous parce que ça n'a vive dans fond nous yo, c'est eux même qui a conditionné mauvais existence dans vivre là. C'est ton plaisir. Oui. Merci. Pierre-Michel Chéri écrit pour mettre bout l'émission à la page pour aujourd'hui à grand chef à la ougan. Nous-mêmes, à coup, nous faisons sel. Là, nous manger, c'est où manger. Là, nous souffrir, c'est où souffrir. Manger pour nous, n'a souffri pour vous. Nous-mêmes, à coup, nous faisons sel. C'est un plaisir pour nous danser avec vous, pour nous porter pour à la page, l'émission Écho des Arts. Nous avons bon rendez-vous pour l'autre. À la page, restez branchés. Télévision Pacifique.